Bonjour et bienvenue sur Poké Channel 76. Donc aujourd'hui on va continuer donc des ouvertures de boosters sur la série Style de combat. La dernière vidéo que j'ai faite, donc j'ai présenté Classer avec tout ce qui manquait, etc. etc. La vidéo est un petit peu longue à mon goût. Et après représenter le classeur en fait sur chaque vidéo, j'en vois pas forcément l'utilité. Donc je vais simplement procéder différemment. Je vais simplement vous montrer et citer les cartes en fait qui nous manquent, celles qu'on cherche sur le tirage d'aujourd'hui. Ni plus ni moins. Ça a rien de tout remontrer, ça fait perdre du temps. Donc on y va direct. Donc voilà. Donc on va chercher aujourd'hui Melocric V. On va chercher Floramantis en rare. Tocotoro. Pomme Drapi VMAX, Victini VMAX, Hyporoi, Octillery, Luxray, Tocorico, Tocorico VMAX, Kaorin, Colossinge, Montracite, Dunaconda, Dolman, Shifourse Point Final V, Shifourse 1000 points V, Shifourse 1000 points VMAX, Tyranocive V, Archéodong, Corvallus VMAX, Rapace des Piques, Corde Sortie, on l'a déjà chopé. Et après, bah justement, tout ce qui est Full Art, Milodric, Pomme Rapide V, Victini V, Pingoléon, Tocorico V, Mimic V. Le Necrozma, nous l'avons chopé la dernière fois, il me semble. Le Chefus Point Final V, le Chipors Point Final V alternatif, 1000 points V, le 1000 points V alternatif, Tyranocive V, Tyranocive V alternatif. Corvallus, Mastouf V, et après nous avons les dresseurs. Bon, voilà. Ouais. Et après, on va pas aller sur les autres cartes. Il n'y a pas forcément l'utilité. Je pense que vous les connaissez, c'est les Rainbow, etc. Donc, voilà. Donc, c'était un passage rapide, juste pour montrer un petit peu les cartes qu'on cherchait. C'est pour vous rafraîchir la mémoire. Moi aussi, en sachant qu'il y a forte chance que même quand je la tire, je la suis forcément si je l'ai ou pas. Même si je me suis fait un petit listing à côté pour le au cas où. Donc voilà, donc sans plus attendre, on va commencer l'ouverture. Donc pour le Bastion, nous avons un petit Voltali ou un petit Evoli. Le Voltali, on a quoi? On a deux Chifours et un Pangoléon. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Et là, on a un Tyranocy. Ah ouais, bon, bah les deux, j'aime bien. Bon, allez, on va commencer par un petit Evoli pour faire du basique, hein, avant de passer. Un Voltali qui, j'espère, fera encore mieux que le petit Evoli. Donc voici déjà. Hop, pour la carte, ça serait bien qu'il y ait un petit zoom, merci. Voilà, la petite carte Evoli promo. Donc pareil, à savoir, c'est que prochainement, je risque de faire un pseudo-jeu concours pour les abonnements, pour les abonnés. Et donc pour offrir soit des boosters dématérialisés ou soit des cartes promo, des petits trucs comme ça. Donc ne pas. À continuer à suivre de façon à voir quand est-ce que ça peut ou ça va tomber, simplement. Donc déjà, hop, on donne des codes comme d'habitude. Voici le premier. Hop, ça, on sort de l'écran. Et voici. Donc, pour commencer, une petite énergie électrique. Moustard, style de point final. Sarah. Scalproie. Écrapmince, Cacnea, Misdibule, Spoing, Monsieur Mime, Electek, et derrière le Electek, un Hexadron qu'on a déjà. Bon, on l'a tiré hier en fait celui-ci. Donc voilà, hop, on va continuer à faire ça bien. La reverse ici, les classiques ici, hop, les dresseurs ici, énergie ici, et c'est parfait. Voilà. Bon, bah, j'espère au moins avoir ouais, 6 boosters. Allez. 6 boosters, j'aurais bien augmenté la série de 2 ou 3 cartes. Tout simplement. Parce que mine de rien, on arrive sur la fin. Donc ça va être un peu plus compliqué à remplir. Donc voici pour le code. Hop là. Donc, énergie, combat. Ça, j'aime bien la combat ici. Gros Tichon. Niveau Ball. Morpeko. Remoraid, Onyx, Misdibule encore, Xeribou, Pachirisu, Zu, Exagide, ok, et on a un petit quelque chose derrière, je pense que c'est du classique, en plus ça a l'air d'être bleu, un petit Pangoléon V que je dois déjà avoir, tout simplement, mais bon.
Ça fait toujours plaisir. Une petite carte V. Parfait. C'est cool. Donc, hop, on continue. Ouais, c'est dommage qu'il y a d'autres V que je recherche qui sont aussi faciles à choper que le pangolin et que là, ça double sur le pangolin. Mais bon, ce n'est point grave. Ça fera un échange, c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Hop. Voilà. Allez, une petite énergie plante, frison. C'est pas forcément l'énergie la plus sympa dans cette série. Pérégrin. Férosinge. Grillpatte. Balbuteau. Charpentier. Écrapince. Dentikris en reverse. Et derrière, un petit Rotiflame. Carte qu'on a récupérée sur le dernier tirage. Voilà, c'était une des cartes qui nous manquait. Donc, comme d'habitude, hein, ce que je vous dis à chaque fois, c'est. Ça fait juste des doubles pour échanger. Voilà, aussi simple que ça. Mais si tu ouvres pas. Au final, t'as pas de chance d'avoir de la rainbow, de la secrète ou de l'alternative. Voilà. D'où le fait que je continue un peu à ouvrir. Allez, je garde le petit pangoléon en premier. Et puis je me garde les deux autres pour la fin. Avec, j'espère, un beau tirage. En sachant que comme vous avez pu le voir, tout vient en fait de deux tripacks. Donc là, la manipulation, pour le coup, peut pas y en avoir. Et c'est aussi bien. Voilà. Allez. Énergie 1000 points. Spectra. Aflamanoir. Noir. Psytigris. Larvadar. Dunaja. Malos. Exelang. Cacnea. Pourquoi? Comment? Je sais pas. Bah, vu que j'ai eu en fait un Dunaja. Allez, un petit Dunaconda. Pourquoi? Comment? Je sais pas. Mais je veux y croire. Bah, pas je veux y croire, mais. Et là, non, un petit hentai. La 20, 20 que j'ai déjà. Donc, comme ça, hop, ça fait une carte en plus pour les échanges. On continue, on continue. Voici, hop, ça s'est rangé. Ouais, je fais mon rangement maintenant en même temps. Ça me fait gagner du temps. C'est comme ça. Bon. Avant-dernier booster pour ce tirage de la journée. Voici le code. Allez, on fait au moins un petit. Ça serait bien là, même si on a eu un petit pangolin V, je voudrais mieux. Allez, Scorvol. Parce que grosso modo, on n'a pas du tout avancé la série là. Donc c'est un peu embêtant. Scorvol, Jeanfleur et Jeantarge. Rapace d'épique. Donc voici. Donc une Unclaw, mais que j'avais pas. Donc là, pour le coup, on avance. Et ça, c'est une très bonne chose. Charpentier, ok. Écrapin, Iravin, ok. Cacnea, ok. Mistibule, ok. Spoing. Dolman. Alors, Dolman Pike que j'ai pas, que je recherche, par contre, elle est en reverse. Donc je la prends pas quand c'est comme ça. Et nous avons une. Poup une VMAX, il me semble. Il me semble que c'est une VMAX. En VMAX, il y a quoi? On a dit, on a Victini, on a Pomme Drapi, on a le Corbeau là, Corvallus, je crois. Bon, allez, on est parti. Et ben voilà, Corvallus VMAX. Très très cool. Voilà, ça fait plaisir. J'essaie de la montrer un petit peu correctement. Donc elle, pareil, on va la mettre hop, sous sleeve, comme d'habitude. Je suis toujours au taquet. Pour ça que je disparais de l'écran, hein. Mais bon, c'est juste à côté. Donc on va se mettre la petite sleeve qui va bien avec. Parce que petite carte qui le mérite quand même. On va éviter de la griffer et de l'abîmer. Et donc petite sleeve bien serrée, de façon à pouvoir la mettre dans le classeur avec la sleeve, sans que ça fasse de vagues et que ça fasse. Et que ça soit pas joli à regarder. Voilà, simplement. Bon. Puis le centrage, il n'est pas mauvais. Là, dans l'ensemble, c'est correct. Allez, cool. Cool. Voici, voici. Ça, on est bon. Ça, on est bon. Hop là.
Donc, dernier paquet. Hop, je me décale simplement 3 secondes. Excusez-moi, un petit peu enrhumé, je voulais vous éviter ça en direct. Donc, allez, hop là, voici donc le petit code pour vous. Hop là, et voici le tirage. Bon, énergie plante, on a dit, sur cette série, c'est pas la meilleure. Allez, ouvrifier, fermite, kit de camping, Remored, Onyx, Misdibule, Seribou, Pêcherizu, Éventail houleux et Moyade. Moyade qui est là, numéro 42. Ouais, on a. Bon. Ok. Bon, bah, c'était fort sympathique. Donc, on va avoir avancé avec deux petites cartes. Il y en a une qui est vraiment petite. Rapace des pics, voilà. Vu que c'est une Unco, c'est ni la rare ni Nolo, voilà. C'était, mais bon, il me l'a fallait pour avancer la collection, donc ça c'est une bonne chose. Et puis, bah, mine de rien, on a quand même le petit VMAX qui va bien faire avancer la série aussi. Donc ça c'est une très bonne chose. Donc voilà, parfait. Donc hop là, on repasse en vue classique. Merci à tous d'avoir visionné la vidéo. J'espère que le format, en fait, c'est un bon compromis entre je vous montre le classeur entier et où je vous montre rien. Là, au moins, vous savez, en tout début de vidéo, sur quoi on part. Et puis comme ça, en fait, dans chaque vidéo, à chaque fois que je fais des tirages, j'enlève, je représente quand même la chose, mais qui prend 2 minutes à peine, 3 minutes, je pense. Et ça permet au moins, la personne qui prend la vidéo en cours ou qui a un petit décalage d'une semaine, etc., etc., au moment où on regarde la vidéo, elle peut comprendre et je pense que c'est plus facile à suivre. Voilà, l'idée était là en tout cas. Donc, comme d'hab, merci. Un pouce si vous avez la possibilité. Ça prend 30 secondes et ça permet d'être mieux référencé. Ce serait très sympathique de votre part de le faire. N'hésitez pas à partager la vidéo aussi sur les réseaux. Voilà. Et puis, merci à tous pour les commentaires, pour le soutien et puis de continuer à regarder. Il y a toujours de plus en plus de personnes, ce qui fait plus que plaisir. Voilà. Merci à tous et puis on se dit à très bientôt pour une nouvelle ouverture sur du style de combat ou une autre série. Allez, ciao, bonne journée à tous.